Vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve à SmackDown Live, l'analyse, description du jeu, du show du 24 novembre 2017 qui passe bien sûr à la télévision française, sinon c'était avant. Donc c'était toujours à Houston, Texas. La promo, on a une première promo, c'était celle de Shane McMahon. Il dit qu'il a été si proche de la victoire que le roster de SmackDown saigne bleu et que chaque soir, ils mettent leur corps en opposition avec fierté. À part Sami Zayn et Kevin Owens qui a attaqué Shane McMahon à Survivor Series. Ils demandent qu'ils viennent. Ils arrivèrent. Kevin Owens dit qu'il avait fait une grosse erreur de ne pas l'avoir pris en son équipe. Enfin, ils ne se sont pas qualifiés face à Nakamura et Orton. Nakamura a gagné contre Sami Zayn, je crois. Et Randy... Non. Sami Zayn a perdu contre Randy Orton et Kevin Owens a perdu contre Nakamura. Et ils ajoutent qu'ils peuvent battre tout le monde, contrairement aux New Day, qu'ils ont perdu face au Shield. Shane dit qu'ils n'ont aucun respect. Shane McMahon. Allez les virer, il a dit your mais Danny Bryan aurait manqué d'entendre yes, yes, l'interrompt et dit qu'il y a une meilleure solution que de les virer. Ils affronteront The New Day dans un Lumberjack match. Wow. Premier match, Shelton Benjamin face à Vey Uso. Pour moi, les pronostics c'était Jey Uso. Et Jey Uso qui non, Chad Gable, le coéquipier de Shelton Benjamin qui a un peu distrait Jey Uso. Donc Jimmy Uso était non parce qu'il voulait sauter et Chad Gable a mis son corps. Donc il a sauté et donc il a Jimmy Uso a intervenu Chad Gable et c'est lui qui s'est fait un peu ratatiner. Donc on a eu un petit paquet, 1, 2, simplement 2. Et après, on avait un super kick de Jey Uso, 1, 2. Et après, chez Shelton Benjamin, qui s'est abonné avec son finisher. Deuxième, non. Non, il se fait attaquer par le 3 membres de la NXT. On a eu ça à Monday Night Raw, le retour de Belge avec 2 personnes de la NXT. Là, pareil, 3 membres de la NXT. Becky Lynch et Naomi, mais elle se fait éclater. Deuxième match, Abro face à The Blonde Brother, nouvelle équipe à SmackDown Live, c'est Eric Rowan et Luke Harper. On a aussi The Blonde Brother, vainqueur The Blonde Brother. Pour moi, The Blonde Brothers et sont les futurs SmackDown SmackDown Tag Team Championships. Ils sont imbattables. Ça va être hyper dur à quelqu'un de les battre. Même Juntei. Donc maintenant on passe à la promo de AJ Styles. Et j'avoue que Brock Lesnar est bien la bête que tout le monde parle. Et il dit que ici c'est la WWE et que le deuxième n'a pas de trophée. Et que si Brock veut une revanche, on l'appelle le Rocky. Le Rocky AJ Styles le gagnera. Il est un peu vénère car Rinder Mahal veut prendre son titre. Et Jay Styles demande à Rinder Mahal de venir pour combattre pour son titre. Rinder Mahal dit que c'est lui qui choisit ses matchs quand il veut. Et là, il est trop occupé de regarder le match de AJ Styles face à Brock Lesnar. Et il ajoute que si c'était lui qui affrontait la bête, il aurait vaincu et être le maître de la bête. Et qui veut sa revanche au prochain pay-per-view nommé Clash of Champions. Attaque de Sin Brother à l'arrière, mais Style Clash DJ sur un membre du Sin Brother. Troisième match. SmackDown Women's Championship, Charlotte Santaya. Vous prenez aussi Charlotte. Et le match a été interrompu. Attaque des personnes de la NXT sur Natalie Charlotte. Ceux qui ont attaqué Natalie Charlotte, c'est les mêmes que ceux de... que ceux de Becky Lynch et Naomi. Main event,
un tag team lumberjack match. Venu de face à Kevin Owens et Sami Zayn. Et mon pronostic, c'est Kevin Owens et Sami Zayn. Vainqueur, c'est victoire de Sami Zayn, ce petit paquet. Bagarre des bûchons. Sami Zayn contre le coup de poing de Baron Corbin. Et c'est Bobby Roode qui se les prie. Big E qui empêche de faire partie Sami et Kevin. Mais attaque de Rusev. Kevin Owens s'enfuit. Kofi se trompe God et se jette sur Rusev et est néglige. Sami Zayn veut partir, mais Sami où l'attrape. Sami seul contre 3 et se fait démolir. Trouble Paradise. C'est le finisher de Kofi Kingston et finish tag team de New Day. Kevin Owens rencontre Daniel Bryan dans les coulisses. Il prie pour dire à Daniel Bryan de ne pas les virer. Mais il dit qu'il n'a jamais viré Kevin Owens. Mais la semaine prochaine, il affronte The Viper Randy Orton. Donc voilà pour ce SmackDown Live du 24 novembre à Texas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like.